Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en Côte d'Ivoire, à Kouaba et à Moussoukro, l'émission c'est Yes Weekend. Nous sommes ensemble pour une bonne quarantaine de minutes pour vous plonger au cœur de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout l'actualité des Lions indomptables du Cameroun qui sont en terre ivoirienne depuis trois jours déjà. La bande Rigobertson qui a donc fait ses quartiers. Du côté de l'hôtel président, c'est Aya Moussoukro ici. Ils sont prêts, ils viennent de débuter la séance d'entraînement. Mais avant, revenons d'abord sur les nouvelles de cette compétition. Il faut dire que les 24 équipes sont toutes déjà arrivées sur le sol ivoirien. La Mauritanie était la dernière attendue. Cette équipe-là est arrivée aussi aujourd'hui en terre ivoirienne. Alors, toutes les équipes sont déjà donc fin prêts sur le sol ivoirien. Il faut dire par la suite que la population ici, il faut le dire, pour nous qui sommes du côté de Yamoussoukro, est plutôt très accueillante. Nous sommes ici, bien entendu, au Makibaoulé. C'est le village Akwaba, Cameroun. C'est ici que les supporters camerounais qui n'auront pas eu la chance d'avoir les billets d'accès pour le stade vont se rassembler pour les pouvoir, n'est-ce pas, accompagner à leur façon l'équipe nationale. Ça commence. Demain, ils seront un millier de personnes à soutenir les Lions d'une certaine façon. Et le jour du match aussi, la température va davantage grimper parce que les Camerounais seront ici au village Akwaba Cameroun pour, bien entendu, on vous l'a dit, amis internautes, accompagner l'équipe nationale du Cameroun qui est ici depuis il y a de cela trois jours. Alors on prend une toute petite transition et on revient pour vous plonger au cœur de l'actualité des Lions indomptables du Cameroun. C'est le journal des Lions, c'est la première articulation de cette première édition de Yes Weekend. Alors il faut dire, pour ce qui est de leur actualité, que les Lions indomptables du Cameroun sont arrivés ici même. C'est à une quinzaine de kilomètres de notre position actuelle. Ils ont atterri par l'aéroport de Yamoussoukro. Il était exactement 9h50, heure locale. Après quelques formalités administratives, Rigobertson et ses poulains se sont directement rendus dans le bus pour se diriger vers l'hôtel président qui, lui, est situé aussi à une quinzaine de kilomètres de l'aéroport. Pris bien avant l'arrivée à cet hôtel-là, ils ont fait escale de la résidence officielle de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. C'est très important, Rigobertson qui va suivre directement. Et du côté de l'avion, on peut l'apercevoir à cette somptueuse visite de match au président Félix Houphouët-Boigny. Par la suite, dans la soirée, les Lions indomptables ont effectué une séance de décrassage, séance d'entraînement du côté de l'IPN de Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'était donc cette séance d'entraînement qui a clôturé le côté sportif de la première journée des Lions indomptables du Cameroun en terre ivoirienne. La deuxième journée, c'était bien entendu des commodités habituelles, déjeuner, repos. Et par la suite, lorsqu'il était exactement 17h au Soukro, Rigobertson et ses hommes ont pris le chemin du complexe de l'IPN pour la séance d'entraînement. Une séance qui avait été partiellement ouverte à la presse. 15 minutes et pas plus. Les hommes des médias ont réussi à prendre quelques réactions aussi, mais ils ont surtout reçu la visite, oui, il faut le dire, du ministre des Sports camerounais et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, qui a apporté tout le soutien du gouvernement camerounais, mais aussi du peuple camerounais au Lyon, lundi, face à l'équipe de Guinée. On y reviendra de fond en comble sur ce discours, sur ces mots, ces assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique camerounais. Par la suite, c'est donc la dernière journée des Lions aujourd'hui et on y est. C'est ce vendredi. Au moment où parlons, amis internautes, les Lions indomptables du Cameroun sont bien entendu à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro où se déroule actuellement, même depuis quelques minutes seulement, une séance d'entraînement à huis clos. Oui, les Lions ont exigé un peu d'intimité, finalement, disons-le comme ça, pour bien entendu pouvoir travailler. Il faut le dire,
que contrairement à la séance d'entraînement d'hier, où il faut aussi le souligner, des joueurs comme Franck Malgris s'étaient entraînés à l'écart du fait certainement de petits pépins physiques, on n'en sait pas davantage jusqu'ici. Cette séance aujourd'hui est annoncée comme une séance qui devrait regorger l'ensemble des 26 joueurs de l'effectif déjà présents ici à Yamoussoukro avec le staff technique des Lions Indomptables du Cameroun. Vous le savez, amis internautes, on attend toujours l'arrivée du meilleur gardien du monde, André Onana, qui n'a pas encore foulé le sol ivoirien, mais ce sera bientôt là. Dans quelques jours seulement, on sera dimanche, certainement tard dans la nuit, lorsque le gardien de Manchester United va fouler le sol, Yamoussoukro, pour compléter définitivement l'effectif de l'équipe nationale du Cameroun à 27 joueurs. À la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera bien entendu ici même où nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire. Alors on prend une toute petite transition et on revient pour vous dérouler quelques petits éléments, les petits faits majeurs qui ont marqué, n'est-ce pas, ces trois premiers jours des Lions Indomptables ici en terre ivoirienne. Effectué par la délégation du côté de la résidence de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, la résidence du président Félix Houphouët-Boigny, qui a accueilli les Lions Indomptables avant même qu'ils n'arrivent à leur hôtel. Samuel Eto'o et ses garçons ont tenu à les rendre un hommage symbolique à l'ancien président de la République ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, qui est un grand bâtisseur de la République de Côte d'Ivoire, qui est 1960, qui est décédé étant au pouvoir en 1993. Samuel Eto'o et ses troupes ont donc décidé d'aller lui rendre un vibrant hommage sur sa tombe. Ils ont été accueillis par le chef de la grande famille Konan. Suivons cet extrait et revenons pour la suite de Yes We Can. La délégation camerounaise aux mâles et aux ancêtres, parce qu'il y a un de vos fils qui vous a précédé, et pour parler aux mâles et aux ancêtres, ça se fait le matin bonheur. Donc maintenant, appeler les ancêtres, appeler le président Houphouët, ses frères et sœurs, pour leur dire qu'il y a une délégation qui arrive. Les enfants de ton ami, je veux parler du président Madou Edoué et du président Paul Biya, arrivent pour leur ce jour soit environné par la joie.
et de bonheur. Donc, ceci étant, vous êtes chez vous. Et Nana vous salue. La famille vous dit à quoi va prier. Que c'est la paix qui vous suit hein, durant votre séjour dans notre localité. Soyez les bienvenus. Je pense qu'avec la permission de Nana, nous allons nous lever. Si vous étiez des touristes, on serait parti en voiture. Vous l'avez donc vu en image, un ami internaute à l'initiative du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. La délégation des Lions Indomptables du Cameroun s'est arrêtée du côté de la résidence officielle de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le défunt président Félix Houphouët-Boigny, pour lui faire une sorte d'hommage symbolique pour l'ensemble de ses œuvres pour la nation africaine. Parce que si on est aujourd'hui sur le sol africain, c'est aussi parce qu'il y a eu des bâtisseurs comme celui-là qui sont passés par la gestion publique et qui ont laissé beaucoup d'infrastructures et beaucoup, qui ont fait beaucoup de bien aussi au peuple ivoirien. Alors on va s'arrêter sur une autre articulation qui a marqué le séjour des Lions Indomptables ici, même en terre ivoirienne. Il faut dire que avant, bien entendu, d'y arriver, lors de la séance d'entraînement, parlons-en, des Lions, hier du côté du stade de Yamoussoukro, il y a eu la visite surprise. Il est arrivé, il n'était pas forcément attendu. Narcisse Molekombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a fait son arrivée. C'était exactement 7 minutes seulement après le début de la séance d'entraînement. Narcisse Molekombi, qui, après son arrivée, a vu les hommes de médias se rapprocher directement de lui pour essayer de lui arracher quelques petits mots. On le connaît très bien, il n'a pas fait l'économie de son vocabulaire. Il a exprimé tout le soutien du gouvernement camerounais à l'endroit des Lions Indomptables du Cameroun et surtout donné toutes les assurances sur la question des primes qui a souvent été
le sempiternel problème des équipes nationales du Cameroun. On écoute le professeur Narcisse Modekambi et on revient pour la suite. Quarante ans plus tard, nous revoilà. Cinq trophées plus tard, nous revoici en Côte d'Ivoire. Notre souhait, évidemment, nous sommes toujours dans la période des vœux. Notre vœu est que le Cameroun puisse éblouir, que les lions intentables puissent rugir et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le président de la République a toujours exalté le fighting spirit, mais il en appelle aussi souvent au fair play, dans la mesure où il met en évidence ce qu'il a appelé si poétiquement la glorieuse incertitude du sport. Nous en appelons à une union sacrée autour des lions indomptables. Ce séjour des lions indomptables du Cameroun en terre ivoirienne, il faut dire que bien entendu, Rigoberto, ces hommes ont eu une séance de shooting, c'était avant-hier. Lors de cette séance-là, on a profité pour présenter les différents joueurs avec Dossa. On a pu entrevoir Franck Zambo-Anguissa, par exemple, avec 10, Franck Magri, son homonyme, avec son numéro 9 sur le dos, Vincent Bakar, bien entendu, avec son éternel numéro 10 et le brassard qu'il aura arboré. Mais la grosse information qu'il faut noter, qu'il faut souligner sur cette séance de shooting, c'est que contrairement à ce qui avait été annoncé par le président de la Fédération camerounaise de football à la veille de la Coupe du Monde au Qatar, les Lions indomptables évoluaient avec le même maillot et le même design pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On se souvient, lors de cette présentation du maillot à la veille de la Coupe du Monde du côté de la boutique de Edimo Design, du côté de Douala, que le président de la fédération, Samuel Eto'o, avait clairement déclaré que ce serait un maillot collector et que les gens devraient s'apprêter à acheter un autre après cette Coupe du Monde parce qu'à la CAN, on irait avec un nouveau maillot. Mais non, on l'a constaté, c'est une promesse, une autre promesse non tenue de la part du président de la fédération, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les Lions indomptables du Cameroun vont devoir évoluer avec le même maillot qu'en Coupe du Monde. Je vous propose, à titre de témoignage, de réécouter cet extrait du président de la fédération camerounaise de football. C'était avant la Coupe du Monde Qatar 2022, du côté de la boutique de Edimo Design, chez nos confrères de Canal 2 International. Président, ce maillot peut-être qui sera collector, puisque celui de 90 est dans le musée de la FIFA. Mais celui-là, il sera collector parce que en Coupe d'Afrique, nous jouerons avec un autre modèle, donc la même marque, mais un autre modèle. Donc préparez-vous à l'acheter massivement parce que dans quelques mois, vous ne l'aurez plus. Le président de la fédération qui avait clairement promis aux Camerounais qu'il y aurait un nouveau maillot avec un nouveau design pour la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, plus d'un an, on se rend compte que cette promesse n'a pas pu être respectée. Que s'est-il donc passé avec la question du nouveau maillot des Lions? On n'en sait rien de toutes les façons. Aucune communication n'a été faite ni par la Fédération camerounaise de football, ni par Edimo Design, ni par les autres organisations qui tournent autour de cette question du maillot, Wonder Sports notamment. On attend donc de voir certainement, et je souhaite avec vous que les Camerounais attendent sur cette question qui n'a pas été changée. Autre articulation qui a marqué le séjour de la team à Yamoussoukro, c'est la visite du stade Charles Konan Bani qui va accueillir deux des trois premières rencontres de l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe de CFoot est allée voir ce joyau architectural, ce beau stade qui a exactement 20 000 places et qui va abriter les matchs. D'abord, la rencontre entre le Cameroun et la Guinée lundi prochain. Et ensuite, la rencontre très attendue face au Sénégal. On regarde quelques images de cette infrastructure et on revient pour avec, bien entendu, les échos des adversaires des Lions. Thank you.
Vous l'avez donc vu, hein, c'était quelques images exclusives de l'enceinte du stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Cette enceinte qui va donc abriter les rencontres des Lions indomptables du Cameroun, les deux premières, parce qu'il faut bien le préciser. Rigobertson et ses hommes vont faire le déplacement pour la ville de Boaké pour la troisième rencontre. Ce sera face à l'équipe de la Gambie, les Scorpions qui sont arrivés finalement hier ici même en terre ivoirienne et qui eux aussi s'entraînent en ce début de soirée dans leur stade d'entraînement. Alors pour boucler définitivement cette partie consacrée aux Lions indomptables du Cameroun, il faut signaler que la grosse information sur la séance d'entraînement d'hier du côté de l'IPN Félix Houphouët-Boigny, c'était bien entendu que l'attaquant du TFC, l'attaquant de Toulouse, Franck Magri, s'est entraîné à l'écart. Il faisait du footing pendant les 15 minutes réservées à la presse, alors que les autres joueurs, les 25 autres, étaient en train de faire d'autres ateliers avec ballon. Signalons aussi qu'en autre sortie de cette séance d'entraînement, Nicolas Mouminga Malleux a lui aussi rejoint Franck Magri pour ce petit footing. Il n'y a jusqu'ici eu aucune communication sur ce qui leur est arrivé, ce qui se passe avec eux. On a parcouru, on a essayé de grappiller de part et d'autre sans avoir véritablement la bonne information sur ce qui aurait pu, alors ce qui se passerait sur les cas Magri et Mouminga Malleux. Mais nous ne manquerons pas, amis internautes, d'y revenir dans les heures qui viennent parce que nous vous avons promis de vous plonger minute by minute dans l'actualité des Lions indomptables du Cameroun ici en terre ivoirienne et précisément dans la commune de Yamoussoukro. Alors on prend une petite transition musicale et on revient juste après pour prendre l'écho des adversaires des Lions, en l'occurrence le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Musique et on revient. Lidl. Jouer, gagner. On ramène la victoire à la maison bricata. On n'est pas venu ici pour blaguer. We are Africans and all we bring is fire. We are Africans, we fight, we know we die. We got the vibe, we got the juice, we got the power. We get the light, we get to shine bright. Africans, we bad, Africans, we strong. We got the vibe, oh, we must win this fight. Aye. One Africa, we got the vibe, one Africa. One Africa, we get the juice, one Africa. Fist up my fire, lion for life, I'm gonna win. Everywhere you go, I die for your own, I may be the king. Everywhere I go, I'm ready to fight, success follow me. Dambana te, fala mon te. Plus besoin de parler, on sait qu'on est les plus forts. Trop présent pour prétendre se fondre dans le décor. La première place, on vise encore et encore. Jeu de jambes, coup de tête, remontade a fait péter le score. Africa, oh. Cameroun, we got the vibe, we got the juice, we got the power. We got the vibe, we got the juice, we got the power. We got the
Lidl. On ramène la victoire à la maison, bricata, on n'est pas venu ici pour blaguer. We are Africans and all we bring is fire. We are Africans, we fight, we no retire. We got the vibe, we got the juice, we got the power. We get the light, we get to shine bright. Africans we bad, Africans we strong. We got the vibe, oh, we must win this fight. One Africa, we got the vibe, one Africa. One Africa, we got the juice, one Africa. Is the my fire, lion for life, I'm born to win. Everywhere you go, I die for your own, I may be the king. Everywhere I go, I'm ready to fight, success follow me. Dambana tete, fala mon tete. Plus besoin de parler, on sait qu'on est les plus forts. Trop présent pour prétendre se fondre dans le décor. La première place, on vise encore et encore. Jeu de jambes, coup de tête, remonte à la fait péter le score. Africa, oh. Cameroun, no. Dans le go. Ouais, vous l'avez donc compris, nous sommes à la partie consacrée aux adversaires des Lions indomptables du Cameroun. La première information à retenir, c'est qu'ils sont déjà tous ici même en terre ivoirienne. La première délégation arrivée ici dans la poule C, c'était bien entendu le tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga du Sénégal, qui sont arrivés un jour avant l'équipe nationale du Cameroun. Ils s'entraînent dans le stade hein, situé non loin de l'équipe du Cameroun. Ce sera le deuxième adversaire du Cameroun ici en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du stade de Charles Konan, le Sénégal qui a son groupe déjà au complet. On sait bien entendu que Boulaye Dieng ont remplacé respectivement Bamba Dieng et Alfred Gomis. La tanière est donc au complet, tanière de la Teranga bien entendu, et Aliou Cissé et ses hommes ont à l'esprit cette volonté de réitérer l'exploit qui avait été réalisé du côté du Cameroun avec ce sacre continental des Lions de la Teranga en terre camerounaise. Réussiront-ils à le faire une deuxième fois ici en terre ivoirienne? On le saura à
bientôt, à partir de lundi prochain, lors de leur première rencontre. Le deuxième adversaire, la deuxième équipe dont nous voulons parler dans cette poule C, c'est bien entendu l'équipe du Sili National de Guinée. Les hommes, les Guinéens qui sont aussi arrivés le même jour que les Lions Indomptables du Cameroun et qui se sont aussi entraînés déjà à trois reprises. Au moment où nous parlons, nous faisons ce direct, amis internautes, ils sont en pleine séance d'entraînement. Le Sili National de Guinée qui veut certainement faire mieux que la place de huitième de finaliste qu'ils avaient acquise lors de la dernière CAN du côté du Cameroun. On se souvient qu'ils avaient été éliminés, tiens, par qui ? Par l'équipe de la Gambie de Tom Saint-Fiette qui avait réussi à battre cette équipe de la Guinée, enfin, par surprise, hein, tout le monde était tellement surpris de cette issue de rencontre-là, 1-0. C'est donc le score qui avait séparé les équipes de la Gambie et de la Guinée. Victoire pour la Gambie. Les deux équipes vont encore s'affronter ici, même à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Qui en sortira vainqueur ? Réponse à partir de la semaine prochaine. La dernière équipe pour clôturer cette partie consacrée aux adversaires des Lions, c'est bien entendu l'équipe de la Gambie. Elle était censée arriver en terre ivoirienne depuis avant-hier. On était bien entendu mercredi. Mais il s'est passé ce petit incident avec l'avion qui a eu un souci technique. Et après le décollage, ils ont été contraints de faire marche arrière 9 minutes avant alors que l'avion perdait de l'oxygène. On a écouté Tom Saint-Fiette sur les antennes de CFOOT qui expliquait clairement qu'il avait failli mourir. Il a fait son dernier rêve, il disait des petits mots gentils à sa femme, lui disant au revoir. Et que certains joueurs dans l'avion s'endormaient déjà du fait du manque d'oxygène. Plus de peur que de mal, amis internautes, pour l'équipe de la Gambie qui finalement a réussi à atterrir d'abord à Banjul et attendre de passer la nuit pour enfin prendre le vol, un nouveau vol Air Ivoire en l'occurrence sans publicité, pour rejoindre le sol ivoirien. Ils sont donc finalement arrivés hier jeudi en soirée, en après-midi, il faut le dire pour être plus précis, en après-midi. Toute la délégation des hommes de Tom Saint-Fiette est donc ici même à Yamoussoukro. Au moment où nous vous parlons, ils sont en train de s'entraîner et se préparent donc pour leur toute première rencontre qui sera déjà décisive parce que ce sera face au, bien entendu, champion en titre du Sénégal qui n'est pas du tout un morceau facile à croquer. Alors, c'était donc là la fin, hein, bien entendu, de cette partie consacrée aux adversaires des Lions Indomptables. Vous l'avez compris, retenu, amis internautes. Tous sont déjà ici en terre ivoirienne et du côté de Yamoussoukro. Nous reviendrons demain dans le deuxième numéro de Yes Weekend pour vous parler de fond en comble de ces différentes équipes-là. Mais quant à ce soir, c'en est terminé pour ce qui est des échos des adversaires des Lions. On prend donc une petite transition et on accueille notre ami, le responsable de communication de ce magnifique complexe qui nous accueille ce soir. C'est le Maki Baoulé, le village Akwaba, Cameroun. Il est même déjà là. On va prendre la transition donc avant de le faire intervenir. Donc, transition du côté de la régie et on prend notre ami du complexe du Maki Baoulé, Jean Chardin Biaou. Transition. Voilà, derrière, il faut passer par derrière pour venir. Voilà.
Amin Kamou, bienvenue pour cette dernière articulation de votre programme Yes Weekend. On vous l'a dit dans ta main que nous sommes bien entendu ici au complexe Le Maki Baoulé, c'est le village Akwaba Cameroun. Et là, nous avons avec nous le responsable communication du Maki Baoulé, ce somptueux complexe qui nous accueille. Lui, il s'appelle Jean Chardin Biao. Ne vous méprenez pas, il est ivoirien, il n'est pas camerounais bien entendu, même comme on va lui faire sa cadeau ici chez vous, ici chez eux. Jean Chardin, bonsoir et bienvenue dans le Yes Weekend. Bonsoir, merci pour l'occasion que vous me donniez de prendre la parole au devant de votre micro. Alors, le complexe Maki Baoulé et ce que vous avez appelé ici le village Akwaba Cameroun, c'est quoi exactement? Le complexe Maki Baoulé a été choisi par l'ambassade du Cameroun pour être le village Kan du Cameroun, le pays frais, le chaleureux pays qu'on aime tant, qu'on chérit tant. Voilà, l'organisation, comme vous l'avez vu, est bien installée. Tout commence à bouger, tout bouge, les Camerounais viennent, on les installe. Tout commence à aller. Dès demain même, l'espace, le Maki Baoulé, sera complètement au Camerounais. Alors, c'est à l'initiative de qui, ce village Cameroun? C'est vous qui avez pensé cela, ce sont des Camerounais. Qu'est-ce qui a pensé ce concept, et combien de personnes attendez-vous ici tous les jours environ? De ce que je sais, voilà, parce que cette question devait être répondue par mon patron, M. Jonathan, que je salue au passage, mais qui est actuellement en mission à Abidjan, voilà, qui je pense est en route. Ici, l'espace a été choisi par l'ambassade du Cameroun même, voilà, qui pense, je pense, est venu ici. Une délégation est arrivée, ils ont vu l'espace, ils ont aimé, ils ont choisi. Et l'ambassadrice, mais l'excellence, l'ambassadrice du Cameroun était là. Elle a aimé le cadre et elle a dit ici, ce cadre-là, le Maki Baoulé, doit être le village du Cameroun. Voilà. Et c'est comme ça que le village, l'espace du Cameroun, autant pour moi, a été choisi comme village Cannes du Cameroun. Et on attend environ plus de 1000 personnes. Voilà. Plus de 1000 Camerounais ici au Maki Baoulé parce que c'est un grand espace qui peut accueillir plus de 2500 personnes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu tous les soirs ici au Maki Baoulé, au village Akwaba Cameroun? Qu'est-ce que vous proposez comme service? Est-ce qu'on va s'ennuyer quand on arrive au village Akwaba Cameroun? De ce qui est de l'ambiance, je pense que nous avons des personnes expérimentées, parce que c'est que des expérimentés qui sont au Maki Baoulé. Voilà. On vous réserve une ambiance chaleureuse, très chaude, mouvementée comme la camerounaise, comme vous l'aimez. Voilà. Je pense qu'une démonstration nous sera faite ce soir, une petite ambiance vous sera proposée ce soir. Et dès demain, on va rentrer dans le vif du sujet. On vous réserve en tout cas quelque chose d'inoubliable. Donc il y aura du coupé-décalé. Du coupé-décalé, voilà. Des brochettes. Des brochettes, il y aura tout. L'ondolé, surtout. Alors pour sortir définitivement, qui sera champion d'Afrique cette édition? Bon, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire? Que le meilleur gagne, parce qu'on ne peut dire peut-être que... que le meilleur gagne, parce qu'on peut dire que le Cameroun peut gagner 4-2 les Ivoiriens, on peut dire que les Ivoiriens peuvent gagner 2-0, ça va dépendre, voilà. Mais que le meilleur gagne. Voilà. Alors, merci à vous, Jean Chardin Biao, c'est le responsable communication de ce village Akwaba Cameroun, du complexe Maki Baoulé, ici même, au Carrefour Baoulé, c'est bien ça, c'est ça le nom du quartier. Au quartier Assabou, voilà. Quartier Assabou, ruelle, au Carrefour du centre médico-scolaire. On n'est pas très loin du stade, c'est ça? Non, pas talent. Environ combien de mètres? On voit 600-800 mètres. 600-800 mètres du stade, vous l'avez donc compris. Hein, l'ambassade du Cameroun qui a choisi le meilleur cadre possible pour pouvoir abriter les supporters des Lions Indomptables du Cameroun. Ce sera ici, tous les soirs, pour ambiancer, pour couper, pour décaler, pour soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Et quand on va vous dire merci. Merci. Et surtout, bonne chance pour la Coupe d'Ivoire. Allez-y, si je peux profiter de votre micro pour dire un grand merci à M. Kwame Asamoah. Ouais. Voilà. Qui est l'initiateur, le fondateur même de cet espace-là. Ouais. Parce que c'est grâce à lui que l'ambassade du Cameroun a pu avoir un espace si beau, si accueillant pour faire de cet espace-là le village Cannes du Cameroun. En tout cas, merci à ce monsieur-là et que Dieu lui accorde encore longue vie pour que la prochaine Cannes encore, qui sera en Côte d'Ivoire, connaît encore un espace comme le Maki Baoulé qui est fait par ce monsieur-là. Alors, vous n'avez pas parti, on va conclure l'émission avec vous parce que nous sommes désormais une famille. Camerounais et Ivoiriens, c'est la même famille. Amis internautes, juste l'occasion de vous signaler que les Lions Indomptables U20 se sont imposés 4-2 face à l'équipe des U20 de l'Égypte. Elles sont donc en pole position pour la qualification pour la deuxième étape. Et quant à nous, on va vous dire simplement au revoir et rendez-vous certainement demain pour une nouvelle édition de Yes Weekend. Certainement encore avec notre ami Jean Chardin Biao qui sera là. Et demain, c'est le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Comme la Guinée-Bissau, on est au niveau de la Côte d'Ivoire, on s'attend à 6-0, ça va dépendre. Mais comme le Seychelles, on va les prendre 9-0.
Vous avez compris, 7-0 pour notre ami le responsable communication du complexe Maki Baolé. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle édition de Yes We Can, toujours sur les antennes de CFOOT.